démonstration rapide de OBS Studio. Avant, j'utilisais le logiciel le VocoSwing, qui était très pratique d'utilisation. Je capturais l'écran entier, je validais l'enregistrement du son avec mon Yeti X et c'était parti avec le bouton Start. Très simple d'utilisation. Mais comme vous le voyez ici, je n'ai pas d'audio recording not implement, puisqu'actuellement je suis sous Wayland et sous Wayland, pas de fonctionnement de VocoSwing. Il faudra attendre des mises à jour et des corrections pour que ça fonctionne. Donc, je vous présente rapidement le logiciel OBS Studio. Alors, qui est en fin de compte très facile d'utilisation, même si au départ, on est un petit peu perdu avec ce logiciel. Lors de la première utilisation du logiciel, vous allez avoir un outil qui va s'ouvrir automatiquement. L'outil se trouve ici, assistant de configuration automatique. Vous allez pouvoir lancer cette procédure pour faire la configuration de votre ordinateur. Je vous le présente rapidement, l'assistant de configuration optimisé pour la diffusion en direct et l'enregistrement secondaire. Alors ça, je n'utilise pas puisque je ne fais pas de streaming. Je vais optimiser pour l'enregistrement et je ne diffuse pas. Donc c'est cette sélection que je vais faire ici. Et ensuite, je clique sur suivant. Ensuite, il me propose une résolution de base, garder telle quelle. Ensuite, je choisis ici l'enregistrement des FPS et je vais mettre 30 images par seconde pour ne pas surcharger l'ordinateur et ça sera largement suffisant pour mes vidéos. Ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Il va analyser la puissance de votre ordinateur et vous faire une proposition automatique de la configuration. Voilà, la configuration automatique a été réalisée. Résolution de base 1920x1080, donc c'est la configuration de mon écran que vous avez ici. Et il va me proposer une résolution de sortie de 1280x720. Alors cette résolution ne me convient pas, je vais faire quand même appliquer les paramètres. Donc j'ai appliqué les paramètres de la configuration automatique. Mais comme la résolution ne me convient pas, il suffit ensuite d'aller dans Fichier et de cliquer sur Paramètres. Dans les paramètres, vous avez la sortie qui se trouve ici, mais ce n'est pas celle-ci qu'il faut choisir, c'est dans Vidéo. Donc dans vidéo, vous avez résolution de sortie mise à l'échelle. 1280x720, je vais la changer et je vais mettre une résolution de 1920x1080. A vous de voir si la configuration vous convient suivant votre type d'ordinateur et vos enregistrements. Là, je vais faire appliquer et je valide par OK. Alors, je vous présente rapidement comment on utilise ce logiciel qui, à premier abord, semble un petit peu plus complexe que mon logiciel VocoSwing. En fin de compte, le principe était simple, il faut créer des scènes ici. Alors une première scène est présente, mais je vais en créer une seconde pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous faites le plus qui se trouve ici et vous ajoutez une scène que vous pouvez détailler avec le nom qui vous intéresse. Ensuite je valide OK. Voilà, la scène 2 est préparée, mais comme vous le voyez ici, pour l'instant je n'enregistre aucune source. Alors il va falloir enregistrer des sources et c'est là l'intérêt de ce logiciel, mais il faut le configurer. Donc je vais faire ajouter une source, et là la source que je veux enregistrer c'est le son bien sûr. Je vais capturer l'audio. Donc je capture l'audio, je choisis le type de capture d'audio que je veux réaliser. Alors je vais faire une capture avec le son du Yeti. Donc ici je vais marquer Yeti tout simplement, puisque c'est le Yeti que je veux enregistrer. Je valide sur OK. Et là, il va me demander le périphérique. Le périphérique, par défaut, je vais le choisir dans la liste. Alors, à vous de voir, suivant votre configuration. Moi, c'est le Yeti qui va être enregistré. Je valide ici et je clique sur OK. Donc là, sur la scène 2, je vais pouvoir enregistrer le son du Yeti. Ensuite, je vais cliquer ici pour ajouter une autre capture. La capture que je vais réaliser, c'est la capture de l'écran. Donc, capture de l'écran. Alors ici, la configuration sera différente suivant votre type d'ordinateur. Mais la configuration est assez logique, vous capturez l'écran entier, hop, là je vais pouvoir choisir et renommer la source, là je valide OK tout simplement pour ne pas compliquer l'utilisation. Ici il vous présente un partage d'écran, alors vous cliquez sur affichage intégré, vous partagez et voilà, l'écran vient d'être capturé, maintenant j'ai une capture complète de l'écran. Alors le menu qui se trouve ici, bien sûr il va falloir le valider, il faut bien voir que vous pouvez cliquer ici sur OK. Voilà, la capture de l'écran a été réalisée. Alors, l'intérêt de ce logiciel, c'est que vous pouvez faire plusieurs captures différentes. Comme vous le voyez ici, j'ai une scène qui est présente ici, où je capture mon écran et je capture mon Yeti. Et là, j'ai fait la même chose. Mais là, je peux la différencier, la scène 2. Et là, je vais la différencier par une capture de ma webcam. Alors, vous cherchez dans la liste. Moi, c'est périphérique de capture vidéo LAN. Et là, c'est ma webcam. Donc, je vais la nommer en cam. Voilà, là, c'est la webcam qui va être validée. Et je valide par OK.
Et voilà, la webcam est validée. Ici, vous ne touchez pas spécialement aux paramètres. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut et vous cliquez sur OK. Voilà, la caméra maintenant va être enregistrée sur cette scène 2. Alors, bien sûr, cet écran, vous allez pouvoir le configurer. Là, je vais le diminuer, diminuer la taille de la webcam. Ensuite, vous pouvez la déplacer. Alors, c'est là que c'est un petit peu plus complexe, c'est que vous suivez les bords de l'écran et là, vous avez la capture entière de votre écran. Là, je fais tout le tour de l'écran et je choisis où je vais positionner ma webcam. Donc là, je vais la positionner légèrement au-dessus du tableau de bord ici et nous allons voir ce qui va se passer exactement. Donc ça, c'est la capture de ma scène 2 et je peux passer sur la scène 1 bien sûr. Donc je vais commencer par la scène 1 et faire une capture de l'écran et vous montrer comment ça se passe exactement. Ici, je vais lancer le logiciel tout en haut à droite. Vous avez un petit menu qui a été lancé ici, qui se trouve ici. Vous faites un clic gauche ou un clic droit, suivant la configuration de l'ordinateur, et vous allez pouvoir démarrer l'enregistrement. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai cliqué ici sur la scène numéro 1, donc capture de l'écran et du son. Je démarre l'enregistrement. Hop, c'est parti. Donc là, je vais enregistrer l'écran de mon ordinateur, comme vous le voyez ici. Je peux lancer le logiciel, par exemple, pour faire des installations de logiciels supplémentaires. Donc ça se présente comme ceci. Ensuite, je peux retourner sur mon OBS Studio ici et faire une capture différente et capturer la scène 2. Et vous allez voir tout en bas à droite, vous allez avoir la webcam qui va apparaître. La webcam va apparaître puisque là j'enregistre la cam, la capture d'écran et le son. Hop, celui-là, je peux le mettre en diminué. Et là, comme vous pouvez le voir, là pour l'instant, moi je ne le vois pas sur l'écran, mon écran est vide, mais vous, vous avez la vision de la webcam qui se trouve sur la droite. Si je lance le navigateur Internet, là je peux lancer le navigateur, ça fonctionne, et j'ai ici quand même la webcam qui est présente. Mais sur mon ordinateur, moi je ne le vois pas, il n'est pas présent. Alors, petite information supplémentaire, ici vous allez pouvoir régler le volume du son que vous allez enregistrer. Les réglages se trouvent ici, donc on va le voir ici. Si je veux diminuer l'enregistrement du Yeti, je peux diminuer l'enregistrement et le niveau sonore du Yeti. Au niveau de l'enregistrement, il faut au moins qu'il monte ici jusqu'à la partie orange pour avoir une son correcte au niveau de l'enregistrement. Donc là, on est à peu près correct, on peut monter ici. Voilà, il ne faut pas bien sûr monter dans le rouge. Et ensuite, vous allez pouvoir configurer différents micros. Là, c'est le micro de mon ordinateur que je peux aussi diminuer pour l'enregistrement du son qui vient de l'ordinateur. Donc à vous de voir et à configurer votre système pour gérer le son qui va être capturé. Ensuite, c'est un logiciel qui est très très complet. Je ne vais pas vous présenter en détail comment il fonctionne. Il est très utilisé par les YouTubeurs pour diffuser sur Internet et pour faire du streaming. Je vous laisserai consulter des vidéos sur Internet qui vous expliqueront en détail toutes les options qui sont possibles de réaliser avec ce logiciel. Là, c'est pour une mise en route rapide du logiciel. Vous voyez, c'est très simple à utiliser une fois qu'on a pris en main. Mais il faut faire une petite configuration au départ. Il ne suffit pas de cliquer sur Start comme sur Vocosplay. Je vous dis Kenavo et à bientôt pour une prochaine vidéo.